C'est décassé, radio communautaire. La radio qu'on écoute aujourd'hui. Puis qu'on se dit, oh, je réécouterai pas ça demain. Eh oui, ici Louis-Paul Fafaralard qui vous parle. Et j'ai, tel que promis, je vous avais parlé d'un chanteur que je vous dis. Bon, je recommence. Alors, tel que. Mais il y avait un chanteur, je vous avais parlé d'un chanteur engagé. En tout cas, Cédric Goyette, bonjour. Ah, bonjour. Alors, je vois que t'as amené un ami. Ouais, c'est mon chum, il vient du Chili. Ok, alors, Chili. Chili. Alors, concocté, tu vas nous faire un album. Hein? Je veux dire, tu vas nous concocter un album. Concocté. Ouais. Ben, j'ai fait le tour des maisons de disques. Le tour des maisons. Moi, j'ai pas trouvé l'entrée, fait que je suis revenu chez nous. Et tu me disais aussi que t'avais fait écouter des chansons à ton chum Serge Fiori. Non, t'as mal compris. J'ai fait écouter des chansons à mon chum Serge. Piori. Ok, mais me semble aussi que tu m'avais dit que t'avais fait écouter ça à un producteur, puis il t'avait dit on est en affaires, t'as du charisme, puis la balle est dans ton camp. Non, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est prends tes affaires, puis charisme-moi ton camp. D'accord. D'ailleurs, à la lumière de cet entretien, je n'avais plus qu'un but, c'était retrousser mes manches et puis faire de la bonne chanson. Bien sûr, oui. Et puis je peux dire que j'ai atteint une partie de mon but. T'as réussi à retrousser tes manches. C'est ça, oui. Ben bravo, je sais que t'as amené ta guitare. Ben oui, je vais la prendre. Oui, mais fais attention de ne pas accrocher le micro. On voit que c'est une belle guitare. Oui, ça a été fait par un luthier que je connais qui a juste une main. Ok, faite à la main. Vraiment faite à la main, oui. Alors tu vas nous interpréter une chanson engagée. Oui, c'est une chanson engagée, mais tu vois, ça sonne par exemple. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que ça sonne engagé. Engagé, hein?